préoccupation. Méfiez-vous d'elle. Méfiez-vous d'elle. Ne répondez jamais à son invitation. Elle est habile à jouer. C'est la grand-mère bienveillante. Elle n'en est rien. Mais elle n'en est rien. Je vous conjure de ne jamais succomber à ses roueries. Ne l'écoutez jamais. Ne l'écoutez jamais. Sinon, malheur. Je vous guette. Car le malheur qui vous guette, ne l'écoutez jamais. 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 Jamais. Again, the young one was a woman on board.
dizaines de gaillards qui rentrent le champ après une rude journée de travail sans déjeuner. Puissante, sous la pirogue,
je poserai. Adèle, dans une épaisse forêt de palétuviers. Et depuis ce temps, il y succombe toujours. Mais rien ne peut contrarier le destin tracé de toute éternité par celui qui sait. Quant à Diabon, les flots la poussèrent jusqu'au bout d'une terre où elle s'échoua. Elle s'est nourrie d'huîtres et de coquillages. Le lieu s'appelait Djahanor. Elle y rencontra un solide gaillard qui allait à la pêche. Il lui offrit l'hospitalité et finit par l'épouser. Ils remplirent la contrée de petits serrères, pêcheurs et grands lutteurs dont la graisse est connue dans cette zone de l'Afrique de l'Ouest. Anxieuse,
attendaient en vain le retour des deux sœurs. Ces filles du village que tout le monde aimait parce qu'elles étaient belles et si bien éduquées. Leur mère inconsolable se mourait de chagrin. Mais Agen et Djambon avaient deux sœurs cadettes, Man la Puné et Debo la Benjamine. Aller à la pêche. Il lui offrit l'hospitalité et finit par l'épouser. Ils remplirent la contrée de petits serrères, pêcheurs et grands lutteurs dont l'adresse est connue dans cette zone de l'Afrique de l'Ouest. Thank you.
et Gabon, la population anxieuse attendait en vain le retour des deux sœurs. Ces filles du village que tout le monde aimait parce qu'elles étaient belles et si bien éduquées. Leur mère inconsolable se montrait de chagrin. Mais Agen et Gabon avaient deux sœurs cadettes, Mala Kuné et Deborah Benjamin. Elles voyaient leur mère s'isoler de plus en plus et n'osaient pas poser de questions. Le chagrin rongeait leur mère désespérée. Aucune nouvelle ne venait adoucir sa peine. Et même si les eaux n'avaient pas rendu les corps des deux sœurs, le village s'était résigné à les considérer comme mortes. La mort dans l'âme, parents, amis et alliés de la famille, c'est-à-dire tout le village de Kinara, s'était résigné à organiser les funérailles des deux sœurs. Un sentiment aussi fort qu'irrationnel qu'éprouvent souvent ceux qui sont liés par des liens qui vont au-delà de l'entendement commun. Il est vain de vouloir tout expliquer par la raison. Donc, après 4 longues années à parcourir dans tous les sens les rives du fleuve, à scruter les chemins qui conduisaient à Kinara, Man, sans en informer quiconque, entreprit d'aller à la recherche de ses sœurs. Je ne vous l'ai pas encore dit, mais
n'est pas Gunga, le sage, et Diva Bokani, la méchante, ont tous les deux rejoint le royaume des ombres. Toutefois, leur esprit survit et leur combat perdure. L'un veillant sur les sœurs comme toujours, l'autre toujours animé par son désir de vengeance, continuant à chercher à nuire aux hommes en général, à Aguen et à Diabol, et leurs sœurs en particulier. Éternel combat du bien contre le mal. De ses deux grandes sœurs. Elle prit la direction du nord, traversa des forêts de manguiers, des bolons, des ravins et des forêts d'arbres géants. Sa route croisa celle d'un jeune homme, d'une noirceur d'ébène. Il sortait de la mer avec dans ses filets des variétés de poissons, des moules et bien d'autres fruits de mer. Ils donnèrent naissance au lébou de Yor. Thank you.
Ainsi, Halkoulard, Serer, Yola et Lebou, fils des sœurs Aguen, Djambol, Man et Debo, sont-ils tous cousins? Dans un ultime sursaut, le sourire large et les yeux pétillants de bonheur, le sage Kagunga, ou peut-être est-ce son esprit, se chargea de sauvegarder l'héritage. Il apparut aux uns et aux autres pour intimer au berger Halkoulard de se regarder comme tenu envers le serrer. Et le Lebou a un devoir de bonne humeur et de plaisanterie comme il est de bon ton chez nous entre cousins croisés. Entre les trois peuples, il institua le tabou du sang ainsi que le devoir d'entraide réciproque. Il en fit de même avec les époux de Aguen et de Djambol. Voilà le pacte qui, depuis la nuit des temps, unit Serer et Yola entre eux, entre à qui se fâche en premier lieu. Aguen. Djambol, Man, Debo, suivez les traces de votre mère, Sirebadran, la mère des peuples, celle qui veille toujours et accourt quand elle sent ses enfants dans le désarroi. Retournez une dernière fois à Celebeyon pour que vos enfants vous voient ensemble. Passez par Sangoma. Rappelez à vos descendants que celui qui verse le sang de l'autre devra le voir et s'en enduire le corps parce qu'il aura profané et souillé la terre tout entière. Mais c'est un
Parlement. Le voyage à retour sur les traces de Alunaï, le Bayon. Abidjoko, les Abidjoko, nos cousins de l'autre côté de la frontière. Aglinka, tu peux me dire. Akasinka, le Céré. Alors, la paix doit s'aider entre vous, comme il s'y est entre enfants et une mère. Yola. Alpha, le époux est ton frère. Et tous ensemble, vous partagez les mêmes ancêtres. Voilà pourquoi ce pays est indivisible. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, tout vous lie d'un lien indéfectible aussi fort que le cordon ombilical. Vous êtes les branches d'un même arbre. Les branches peuvent être différentes, mais toutes se rattachent au même tronc. Elles nourrissent par la sève de la même racine. Et surtout, n'oubliez pas, n'oubliez jamais de ne pas s'éloigner des parages de ceux qui savent. Le savoir est la darée la plus précieuse à acquérir et à cultiver. C'est la seule chose qu'on peut donner sans en départir. Et là, vous comprendrez que l'art est unique. Ces feuilles dialoguent avec les étoiles. Ces racines connaissent les secrets qui dorment dans le ventre de la terre. Et c'est par son tronc qu'il relie l'univers à les forces telluriques. Vous comprenez pourquoi nul conflit ne doit vous opposer. Qui voudrait rompre les liens du sang? Qui oserait rompre le pacte qui précède votre naissance? Voilà, ô fils et filles de cette terre mère féconde et généreuse. La légende qui se cure les dents avec un baobab mâle et se rince la bouche avec l'océan peut à présent reprendre le chemin du retour. Elle vous demande si vous avez la paix. Oui. Oui. Heureux le peuple qui l'accueille et lui fait hospitalité. Elle est la sagesse ancestrale. Merci. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, tout nous unit. Le Sénégal est un pays de paix, de dignité et un pays d'hommes debout. Merci. La compagnie du Théâtre National Daniel Sorano. C'était Aguené Diambogne. Ce spectacle a été joué par les trois entités de la compagnie du Théâtre National Daniel Sorano. Il s'agit d'abord de l'ensemble lyrique traditionnel de ces éléments. C'est des éléments de l'ensemble lyrique traditionnel. Seulement quelques éléments.
Vous aviez aussi des éléments du ballet national à Linger. Vous aviez des éléments de la troupe nationale dramatique. Et nos vaillants techniciens qui sont les guerriers dans l'ombre. C'était aussi en collaboration avec la 2STV. Et voilà, la mise en scène a été assurée par notre collègue, M. Omar Sis. Omar, s'il vous plaît. Applaudissez-le très fort. Monsieur le directeur général El Hadj Ousmane Barodjon. Merci pour la vision. Je vais vous donner la parole. Non, il faut que vous parliez. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, c'est l'hymne. Ouais. Je voudrais d'abord vous féliciter quand même pour... Cette excellente, merci beaucoup, cette excellente présentation. Ndeysane, Ousmane Barodjoné. Ousmane Barodjoné, Bougar Fala Tchédion. C'est tout maï sa wali niro ou lo badolo. Ihey! Et quand vous m'avez dit de faire des choses, vous avez dit que 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 vous dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que directeur. Ousmane Baro Motka directeur. Bougar Fala Tchéye Motka directeur. Eh bien, Ousmane Baro, qui est nos haïoïs, Ousmane Baro. Ousmane Baro, qui est nos haïoïs. Mounoul Niak. Gorbi Tahaou. De Vodjof Louray. L'or Hameli, qui est Sénégalais, ou homme de culture. Amen, Gokoun Dukol. N'y a rek moi. Qui nga xamné ni ci tafass gi la yem koku mën na baña xam li nek ci bir geej gi ki jël galam duggu ci bir geej gi mën na xam rek li ci kaw waye ma sha Allah ki traverser ñaar yoyulé ba paré dem ba ci bir bak bi mu nour ci bir koku deug deug nak mom mo xam nak li nek ci bir té son homme de culture. Réunis nous n'est que du Sénégal. Quand on sait qu'il y a une culture, ce qu'on a dit que nous avons fait, quand on a dit qu'il y a un homme de culture, il y a un homme, quand on a dit qu'il y a un homme de culture, il y a un homme de culture, il y a un homme de culture, ce produit, il y a un homme de culture, accompagne-le, quand il y a un homme de culture, il y a un homme de Sénégal, tout le monde est le salut, assalatou wa salam rasoulallah. Jerejef. Jerejef, merci beaucoup. Je suis très heureux de vous parler. Je suis très heureux. Je vais peut-être m'exprimer en français pour nos amis, nos invités. Je voudrais en tout cas vous remercier de votre présence. Ce soir, nous avons quand même d'illustres personnalités qui sont venues regarder ce beau spectacle. Il s'agit entre autres de l'ambassadeur de l'Inde qui est là devant nous. Je voudrais qu'on l'applaudisse. Très fort, qui est venu regarder le spectacle. Il s'agit également de son excellence, M. Jean-François Pakula, qui est le délégué général de la Wallonie-Bruxelles, qui est également là. Nous avons également une délégation de la République sœur de la Chine, représentée par nos deux sœurs. Nous avons également une délégation de la République du Royaume du Maroc,
représenté également par nos deux sœurs. Je pense que pour les représentations étrangères, je pense que je n'ai pas oublié. Sinon, je remercie également mes collègues. Il s'agit bien entendu de Mme Ngakane Nying, administratrice de la place du souvenir africain. Madame Diouf, merci d'être venue. Remercie également le militant, le fervent militant du Théâtre national d'Agnès Sorano, professeur Maguey Kassé, qui est toujours là. Remercie également mon collègue, par ailleurs, directeur général du Fonds de développement des cultures urbaines et des industries créatives, M. Cheikh Ndiaye. Remercie également mon collègue, par ailleurs, administratrice de l'Orchestre national du Sénégal, Mme Nia Ndengor. Remercier la représentatrice, la représentante autant pour moi, de Arcos Pikin Rufisque, par ailleurs grande actrice comédienne. Remercier également le représentant de Boursine, Babou Biram, de Fatigue également, qui a quitté Saint-Louis pour venir ce soir. Remercier également la délégation qui nous vient de Diahaï, représentant également le maire de la commune de Diahaï. Merci beaucoup d'être là. Et remercier nos amis Momodou Elhadj Momodou Mbaye Garmi et Ban Ndiaye pour leur présence, en tout cas leur accompagnement constant. Je voudrais remercier aussi remercier Moucheba du ministère du Tourisme, également de sa présence et de toute sa délégation. En tout cas, je voudrais remercier tout le monde, les étrangers qui sont là aujourd'hui ce soir, avec la forte délégation conduite par Dossou, par ailleurs CSA de Sorano. Soyez les bienvenus au Sénégal et je pense que vous avez aimé le spectacle. Remercier toutes les personnalités que je n'ai pas pu identifier. Je vois Doyen Seyba Traoré de très loin. Vos applaudissements pour lui. Je remarque de loin aussi le colonel Moumar Gueye, fervent militant également de Sorano. En tout cas, merci de votre présence et avec un grand plaisir qu'on vous accueille ici ce soir à Sorano, partager ce spectacle-là, ce très beau spectacle qui nous parle de notre histoire, l'histoire entre Serer, Diola, Lebou et Toucouleur, ce cousinage à plaisanterie qui constitue le socle de la cohésion et de l'unité nationale. Je pense que c'est très important que cela puisse être compris par les populations, par nous-mêmes, parce qu'en réalité, c'est vrai, nous sommes des cousins, nous sommes des frères, mais on ne comprend pas en réalité d'où vient cette histoire-là. Je pense que c'était important qu'on puisse représenter cette pièce, et c'est pour moi également l'occasion de rendre hommage et de remercier le gouverneur Salou Sambou qui a écrit cette pièce. Je pense que certains de ses fils sont là dans la salle, c'est vrai que je ne les ai pas identifiés, mais qui a été adapté le texte par Seyba Traoré, encore une fois, notre metteur en scène maison. Je voudrais terminer par remercier toute l'équipe de Sorano et au premier chef, le président du conseil d'administration, M. Kessi Bousso, qui est de l'autre côté, Toucouleur, notre cousin Toucouleur. Remercier également le président du conseil d'administration du PROTAC, M. Cherdien, par ailleurs un ami, un frère. Merci, président, pour votre présence. Remercier tous les artistes. Moi, en tout cas, je peux vous dire que ce qui m'a impressionné le plus, c'est que vous l'avez constaté lorsqu'on a présenté l'équipe, il n'y a que deux comédiens professionnels. Deux. Qui sont de la troupe dramatique. Trois, voilà. Essayez de Ndaye Fatou. C'était quatre plutôt. Ibrahim, Ndaye Fatou, Yacine et Roger. Tous les autres, c'est des musiciens, c'est des artistes, c'est des instrumentistes, c'est des danseurs. Voilà, je pense que c'est l'enseignement qu'on peut tirer de ces spectacles-là. Parce que ce n'était pas des artistes professionnels, mais ils ont su donner le meilleur d'eux-mêmes, donc jouer comme des professionnels. Moi, j'ai été séduit par le français de Khadima Ngone Ndiaye, le français de Fatsar. Je ne savais pas que vous avez ces qualités-là. Mais merci en tout cas pour ce que vous avez offert aujourd'hui. Remercier le metteur en scène, encore une fois, Omar Sis, pour ce travail remarquable qu'il a abattu en temps record. Merci Omar.
pour le travail de titan que vous avez abattu. Remercier l'équipe technique qui est derrière, toute l'équipe en tout cas de Sorano, l'administration, le directeur de production Sekulo, le directeur de la troupe dramatique Mohamed Villiers et tout le monde. Je suis très content de vous recevoir et de partager avec vous ce beau spectacle d'Agen et Diabon. Merci et bon retour à tous. Voilà, merci directeur général. Monsieur Diouf, qui voudrait vous donner un cadeau ou des cadeaux. Voilà, vraiment, monsieur le directeur général, c'est monsieur Diouf. Après, je vais vous donner la parole. Je l'ai travaillé avec des clous. Je suis allé sur Internet, j'ai tapé sur Google. J'ai dit le nouveau directeur de Sorano. Ensuite, il m'a donné le nom de Ousmane Badadjian. Je pense que c'est comme ça. Hein? C'est ça, oui. Ouais, après, j'ai vu en photo, une photo. Après, je me suis dit que je vais faire. Là, c'est la maquette de Sorano. Ah oui? Ouais. Voilà. Et là, il y a aussi le design intérieur. Ouvre. Voilà. Et tout ça, bon, je peux dire que c'est du recyclage, à part le carton. Tout le reste, c'est le recyclage. Voilà, merci d'être venu voir ce spectacle. Donc, c'est un bébé qui vient de naître, vous l'avez vu, avec tout ce que cela comporte comme difficulté. Et ce bébé-là que vous voyez, il doit ramper, il doit marcher, il doit courir, et puis prendre l'avion et s'en aller. Donc, et pour cela, on a besoin de l'appui des partenaires. Vous avez vu ce qui a été accompli sur scène avec les acteurs, beaucoup d'énergie, beaucoup d'heures de travail. Donc, ce travail ne doit pas s'arrêter là. Donc, pour qu'un travail fonctionne, un théâtre fonctionne très bien, on a besoin de tout ça, du public, mais plus des partenaires aussi, pour qu'ils puissent appuyer, pour que les spectacles puissent tourner. Donc, merci d'être venu et nous demandons le soutien de tout le monde pour que ce spectacle puisse aller loin. Merci. Émission bien, xamni mom lañ défé won jaxaw seen. Ci magalu bourse kumando fet bi deuxième partie bi nak dañ ci waxtane ñi nga xamni ñoy bisik yi lu jëm ci walu bisik yi bisik ndomol tank la bo xamne ndomolu fi yag la waye dafa jaar ci ñu bari